des sécrétions vaginales verdâtres, mousseuses, une odeur de poisson pourri et des démangeaisons de la vulve. C'est ce que peut provoquer la trichomonose, cette infection sexuellement transmissible causée par un parasite microscopique. Trichomonas vaginalis. Pour poser le diagnostic, on doit recueillir des sécrétions vaginales dans un tube et aller observer ça rapidement au microscope, parce que le parasite est très fragile. Allons voir ça. Nous voilà face à trois beaux spécimens de Trichomonas. Ils sont très mobiles grâce à leurs flagelles, ces sortes de filaments qui leur permettent de nager. Et ça, c'est tout un groupe qui est en train de taper sa meilleure soirée. La trichomonose se transmet par voie sexuelle, mais dans des cas plus rares, elle peut se transmettre par les serviettes humides, par l'eau du bain, j'adore prendre des bains, ou même par les lunettes des toilettes. Très souvent, elle ne provoque aucun symptôme chez les hommes, mais ces derniers peuvent malgré tout transmettre le parasite. Donc surtout, on n'oublie pas de se protéger.